إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعنوان هذه المحاضرة كما أخبرتم به حول نبي الله عيسى عليه السلام ومن المتقرر في الإيمان المطلوب من المؤمن من أصول الإيمان الإيمان بالرسل فيجب على المسلم أن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد منهم وعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وأولو العزم من الرسل كم السلام ورحمة الله خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم وكما قلت نؤمن بأنبياء الله ورسله جميعا ولا نكون كالذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا كما قال الله تعالى أولئك هم الكافرون حقا فالذي لا يؤمن برسول واحد فكأنما كفر بجميع أنبياء الله ورسله. Le sujet de la conférence aujourd'hui porte sur le prophète et l'envoyé d'Allah, Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Et il est connu de chacun d'entre vous que fait partie des piliers de la foi de croire au prophète et envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de croire à tous les prophètes et à tous les envoyés sans exception, sans faire de distinction entre eux quant au fait de croire en eux. Il y a des distinctions entre eux, bien sûr. Le meilleur des prophètes et envoyés, le sceau des envoyés d'Allah, alayhim assalam, et bien sûr notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui-même qui dit alayhi salatu wa sallam, « Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr »« Je suis le maître des fils d'Adam et point d'ostentation. » Nous devons croire à l'ensemble des prophètes et envoyés. Et ne pas dire, comme ceux qui ont dit, Allah azza wa jalla nous en parle dans le Coran, nous croyons en certains et nous ne croyons pas en d'autres. وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا Et ils veulent trouver entre cela une voie intermédiaire. Et Allah Azza wa Jal a donné son jugement sur ces personnes. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا Ce sont eux les véritables mécréants. Ceux qui veulent différencier entre les prophètes et envoyés d'Allah en croyant en une partie et en ne croyant pas en une autre. Et concernant la foi aux prophètes et envoyés, nous devons croire
avec précision ce qui a attrait au prophète et envoyé. Les détails qui nous sont parvenus, nous devons y croire dans les détails. Et ce qui nous est parvenu de façon générale, de façon globale, nous devons y croire de façon générale et de façon globale. Tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont plus de 124 000, beaucoup d'entre eux, nous ne connaissons ni l'histoire, ni le nom. Nous ne connaissons même pas la période dans laquelle ils ont vécu, mais nous devons y croire. Il y a des prophètes dont les noms et l'histoire nous a été rapportée, soit par Allah dans son noble livre, ou soit par son envoyé sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Et d'autres prophètes dont nous ne connaissons que le nom, et d'autres prophètes dont nous ne connaissons ni le nom ni l'histoire. Et Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, fait partie de l'élite des prophètes et envoyés d'Allah. Cette élite qui est au nombre de 5, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, et le cinquième est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وبداية عيسى عليه السلام قديمة حيث كانت جدته أم مريم امرأة عمران تدعو الله سبحانه وتعالى لمن في بطنها ولذريته أن يقيهم الله أن يقيهم الله عز وجل من الشيطان الرجيم قالت كما أخبر بذلك الله عز وجل في سورة آل عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآيات فكانت دعوة الجدة كانت دعوة جدة عيسى عليه السلام سارية من جيل إلى جيل حتى ظهرت آثارها في مريم وفي ولدها عيسى عليه السلام وفي هذا دليل على أن صلاح الأجداد له تأثير في صلاح الأولاد ولذلك قال الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فلما كان أبو الغلامين صالحا لصلاح أبويهما حفظ الله عز وجل كنزهما عيسى عليه السلام a été cité au début de l'histoire de عيسى عليه السلام commence dès l'époque de sa grand-mère. Sa grand-mère qui est la femme de Imran, la mère de Maryam alayha salam. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala comme nous en informe Allah azza wa jal dans sourate Ali Imran à partir du verset 35 et les versets qui suivent décrivent de façon précise l'histoire de la mère, la femme de Imran, la mère de Maryam alayhi salam, ainsi que Zakaria qui était son garant et comment Maryam alayhi salam a mis au monde son fils Isa alayhi salam. Elle a dit comme nous en informe Allah azza wa jalla selon le sens
Et quand la femme de Imran dit « Ô Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qu'il y a dans mon ventre. Accepte-le, fataqabbal minni. Tu es celui qui entend tout et qui voit tout. » Puis, lorsqu'elle a accouché, elle dit « Ô Seigneur, inni wada'tuha untha. J'ai mis au monde une fille. » Et Allah Azza wa Jal dit « Wallahu a'lamu bima wada'at. » Allah Azza wa Jal savait parfaitement. Allah Azza wa Jal savait parfaitement ce qu'elle avait mis au monde. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Et le garçon n'est pas comme la fille. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ. Puis elle a dit, je l'ai nommée Marie. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et je demande ta protection. Je demande que tu les places sous ta protection, elle et sa descendance. Maryam et sa descendance. Et quelle est la descendance de Maryam alayhi salam? Isa alayhi salam. C'est la seule descendance qu'elle avait. Le seul enfant que Maryam alayhi salam a mis au monde, c'est Isa alayhi salam. Ainsi, l'histoire de Isa commence déjà à l'époque de sa grand-mère, qui a déjà invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de sa mère et en faveur de lui-même afin qu'il soit préservé du diable. Et il y a dans cela la preuve que le fait que les parents et les grands-parents soient vertueux, cela a une influence directe sur leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est cela qu'Allah azza wa jalla dans sourate Al-Kahf, lorsque il nous raconte l'histoire de Moussa et de l'Khadir, et notamment l'histoire de ses deux enfants, pour lequel Al-Khadir a construit un mur. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Et leur père était vertueux. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ شُدَّهُمَا. Et ton Seigneur a voulu que ces deux enfants atteignent leur maturité. وَاِسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا. Et qu'ils sortent pour eux leur trésor. Le trésor qui appartenait à leur père. Et leur père étant vertueux, Allah Azza wa Jal, de par la piété et la bonté de leur père, a préservé son trésor pour ses enfants et pour qu'ils puissent en profiter. Et les preuves de cela sont nombreuses dans le livre d'Allah est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et l'invocation de la femme de Imran a bien sûr été exaucée. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il n'y a pas un enfant parmi les fils d'Adam qui naît sans qu'il ne pousse un cri, parce que le diable a touché, hormis Maryam et son fils. Hormis Maryam et son fils. وأما عن فضل مريم بنت عمران قال عليه الصلاة والسلام حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. Et parmi les mérites de Maryam عليه السلام, Marie, ils sont nombreux. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, dans le hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, il te suffit des femmes des mondes, Maryam, la fille de Imran, Khadija, la fille de Khuwaylid, Fatima, la fille de Muhammad, et Asiya, la femme de Pharaon. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures femmes des mondes, les meilleures femmes des mondes sont au nombre de quatre. Maryam, la fille de Imran,
Khadija, la fille de Khuwaylid, Fatima, la fille de Muhammad, et Asiya, la femme de Pharaon. Et beaucoup de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre les mérites de Maryam alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chuchoté à ses oreilles ces deux paroles, l'une qui l'a fait pleurer et l'autre qui l'a fait rire, Aïcha radiallahu anha a voulu savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Fatima radiallahu anha lui a alors informé que les premières paroles que lui a dites le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient qu'il allait bientôt mourir. Et l'autre parole était que j'étais ou j'allais être la maîtresse des femmes du paradis, sauf Maryam, fille de Imran. Sauf Maryam, fille de Imran, qui a plus de mérite que Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Maryam alayhi salam, qui n'est pas la sœur de Haroun, et cela était, qui n'est pas la sœur de Haroun, le frère de Moussa alayhi salam. Et ceci était une des ambiguïtés qu'ont apporté les chrétiens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Al-Najran, Al-Mughira ibn Shu'bah, lorsque les versets de Surat Al-Imran qui appellent les chrétiens à se réunir autour d'une seule et même parole, qui est de n'adorer qu'Allah seul et de ne rien lui associer. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أو vous les gens du livre, قل يا أهل الكتاب تعالوا, venez إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, venez pour que l'on se rassemble autour d'une seule et même parole qui sera commune entre vous et nous. Allah na'abuda illallah wa la nushrika bihi shay'a. De n'adorer qu'Allah seul et de ne rien lui associer. Ce verset vient abolir tout ce qui est fait à notre époque pour essayer d'unifier les religions et de faire ce qu'ils appellent l'unification des religions, de trouver un terrain d'entente entre l'islam, le christianisme, le judaïsme et les autres religions. Il n'y a point de terrain d'entente, sauf ce que nous a informé Allah Azzawajal dans ce verset, qui est de n'adorer Allah seul et de ne rien lui associer. « وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » Et que l'on ne prenne pas, que l'on ne se prenne pas les uns les autres des divinités en dehors d'Allah. « وَمَنْ كَفَرَا » فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et celui qui mécroit, Allah se passe certainement de l'ensemble des mondes. Ainsi, celui qui mécroit, il ne fait du tort qu'à soi-même. Et en aucun cas, il ne fait tort à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ces chrétiens de Najran ont dit à Al-Mughira ibn Shu'bah, vous lisez dans le Coran la parole « Ya ukhta Haroun »« Ô sœur de Haroun » en parlant de Maryam alayhi salam. Alors que Haroun a précédé Isa alayhi salam de plusieurs centaines d'années. Al-Mughira ibn Shu'bah, lorsqu'il est retourné chez le prophète sallallahu alayhi salam, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: pourquoi ne les as-tu pas informés qu'ils donnaient ou qu'ils nommaient leurs enfants par les noms des prophètes qui les avaient précédés? Ainsi, Ya Ukhta Haroun, ou la sœur de Haroun, qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans Surat Al-Maryam, ce n'est pas Haroun, le frère de Moussa, mais Haroun,
pourquoi ne les as-tu pas informés qu'ils donnaient ou qu'ils nommaient leurs enfants par les noms des prophètes qui les avaient précédés? Ainsi, Ya Ukhta Harun, ou la sœur de Harun, qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans Surat Al-Maryam, ce n'est pas Harun, le frère de Moussa, mais Harun, le frère de Maryam, qui a été appelé Harun, car ils avaient pour habitude, et ce jusqu'à nos jours, d'appeler leurs enfants par les noms des prophètes et des vertueux qui les ont précédés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit également, en parlant de Maryam alayhi salam, « Kamula min ar-rijali kathir, wa lam yakmul min an-nisa illa asiya imra'atu fir'aun wa Maryamu bintu Imran. » Beaucoup d'hommes ont atteint la complétude et ne sont complètes parmi les femmes que Asiya, la femme de Pharaon, et Marie, la fille de Imran. Kayfa hamalat Maryam bi'Isa alayhim as-salam. الله عز وجل خلق بني آدم على أربعة أنواع، فمنهم من خلقه من أب وأم، وهذا كسائر البشر، ومنهم من خلقه بلا أب ولا أم، وهو آدم عليه السلام، ومنهم من خلقه من أم بدون أب، وهو عيسى عليه السلام، ومنهم من خلقهم من ذكر بلا أنثى وهي حواء. فإذا عيسى عليه السلام كان نموذجا فريدا في البشرية أن يخلق بغير أب، وليس المقصود بغير أب أي بغير زوج أو بغير زواج شرعي أو لا يعرف أبوه، فلا يوجد هناك ذكر في الموضوع أصلا. ولذلك قالت مريم عليها السلام: ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر، لا بالحلال ولا بالحرام. فجاء جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، وكانت مريم قد انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي شرقي بيت المقدس، فأتاها جبريل على صورة بشر، فلما رأته فزعت وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال لها جبريل عليه السلام: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. كما مريم عليه السلام est-elle tombée enceinte de عيسى عليه السلام؟ Comment est-elle tombée enceinte de Isa alayhi salam? Allah Azza wa Jal a créé les fils d'Adam de quatre façons. La façon la plus répandue est de créer le fils d'Adam d'un père et d'une mère. Et certains parmi les fils d'Adam, qui est Adam alayhi salam, a été créé ni de père ni de mère. Isa alayhi salam a été créé d'une mère sans père. Et Hawa, la femme de Adam alayhi salam, a été créée d'un père sans mère. Isa alayhi salam est donc un cas unique.
Allah Azza wa Jalla l'a créé d'une mère sans père. Et lorsque l'on dit sans père, ça ne veut pas dire que Maryam alayhi salam n'était pas mariée ou que cet enfant est issu d'une relation interdite. Hasha wa kalla. Ou que le père de Isa est inconnu. Non, il n'y a point d'homme dans ce sujet. Il n'y a point d'homme dans ce sujet. Pour cela que Maryam alayhi salam a dit, lorsque Jibril alayhi salam est venu l'informer qu'il allait lui faire don d'un fils pur, elle a dit, comment puis-je avoir un enfant alors que personne ne m'a touché? Alors que personne ne m'a touché. Jibril alayhi salam, comme nous en informe Allah Azza wa Jal, est venu sous la forme humaine. Il est venu sous la forme humaine d'un homme. Et Maryam alayhi salam, à ce moment-là, s'était retirée à l'est de Jérusalem. Certains savants ont dit, elle est sortie de la mosquée car elle était indisposée. Et lorsque Jibril alayhi salam était sur son chemin, elle a eu peur. Elle s'est éloignée de lui et a dit, éloigne-toi de moi si tu fais partie de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit, je demande la protection du tout miséricordieux contre toi. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Et si tu es pieux, ne m'approche pas. Et Jibril alayhi salam lui a alors dit, je suis l'envoyé d'Allah à toi, afin de te faire don d'un fils pur. Elle a dit, comment puis-je avoir un enfant alors que personne ne m'a touché, et alors que je ne suis pas une prostituée? قال كذلك قال ربك. Jibril alayhi salam lui a dit, ainsi a dit ton Seigneur, cela est facile pour moi. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. Et nous ferons de lui, c'est-à-dire de Isa alayhi salam, un signe pour l'ensemble de l'humanité. ورحمة منا, et une miséricorde provenant de nous. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Et c'est une chose décrétée. C'est une chose décrétée. Et Jibril alayhi salam a insufflé sur l'ouverture de la tunique de Maryam alayhi salam au niveau du cou. Et ce souffle est arrivé à son utérus par la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Allah azza wa jal qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elles contiennent du néant, comment le souffle de Jibril alayhi salam ne puisse pas atteindre l'utérus de Maryam alayhi salam? Et lorsque ce souffle a atteint l'utérus de Maryam alayhi salam, elle tomba alors enceinte. Elle tomba alors enceinte par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les véritables chrétiens admettent cela. La preuve est l'histoire du Négus al-Najashi. Lorsqu'il a demandé à Ja'far ibn Abi Talib, qui faisait partie des musulmans qui ont émigré vers l'Abyssinie. Le prophète Hassan leur a demandé d'émigrer vers l'Abyssinie, car il y a là-bas un gouverneur qui n'offense pas, en parlant de Najashi. Et Najashi lui a posé une multitude de questions, et parmi les questions, que dites-vous de Isa, fils de Marie? Que dites-vous de Jésus? Et Ja'far ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, nous disons sur lui ce que nous a informé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le serviteur d'Allah et son prophète. C'est le serviteur d'Allah et son prophète. C'est son âme. وَرُوحٌ مِنَّ.
C'est-à-dire que c'est une âme qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. Et la parole qu'il a adressée à Maryam. Et quelle est cette parole? Quelle est cette parole qu'Allah Azza wa Jalla a adressée à Maryam? كُنْ فَيَكُونَ. Soit et il est. إِذَا أَرَادَ comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourat Ali Imran, إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Comme Allah Azza wa Jalla dit à Maryam alayhi salam, comme il nous le dit subhanahu wa ta'ala dans Sourat Ali Imran, selon le sens, et lorsque il décrète quelque chose, il dit soit et elle est. أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَى الْبَتُولَ. Une parole, et c'est une parole qu'Allah a adressé à Maryam, la Vierge, et celle qui vouait son culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Najashi, lorsqu'il a entendu cette réponse de Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a pris du sol un petit morceau de bois, et a dit, entre ce que tu viens de dire et ce que nous savons déjà et ce à quoi nous croyons, il n'y a que la différence. Il n'y a que comme différence ce bout de bois, un petit morceau de bois. Cela voulait dire que les informations étaient coïncidentes. Et lorsque An-Najashi a dit cela, l'ensemble de ses valets, de ceux qui sont à son service, ont commencé à laisser entendre dans la salle un énorme bourdonnement. Tout le monde commençait à parler, à chuchoter. Tout le monde commençait à critiquer cet aveu de Najashi. Et il leur a dit, rahimahullah, comme cela est rapporté dans le Bukhari, وَإِن تَنَاخَرْتُمْ وَاللَّهِ. Même si vous n'êtes pas content par Allah. Même si vous n'êtes pas content par Allah, en parlant à ses valets et à ceux qui, et à ses ministres et autres, même si vous n'êtes pas content par Allah, car ceci est la vérité. Et comme je l'ai dit en ouverture, Isa alayhi salam a été protégé et protégé contre le diable. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans l'autre hadith rapporté par Al-Bukhari, كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وهو حديث صحيح. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, c'est le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani رحمه الله, tout fils d'Adam, le diable plante sur ses flancs, plante les flancs du fils d'Adam avec son doigt au moment où il naît, sauf Isa, le fils de Maryam. Le diable est parti planter son doigt sur ses flancs, mais il a planté l'obstacle. فَطَعَنَا فِي الْحِجَابِ. Que signifie ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, dans ce hadith, il y a la preuve que le diable a un doigt. Comme le diable a deux cornes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le soleil, lorsqu'il se couche, il se couche entre eux, les cornes du diable. Comme le diable a une langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, a étranglé un diable jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti la fraîcheur de la langue du diable sur sa main. Et dans ce hadith, il y a la preuve que ce qui explique les cris du nouveau-né lorsqu'il arrive au monde, c'est que le diable
plante son doigt sur ses deux flancs. Même si ce cri n'a pas une explication médicale, il a en tout cas une explication que nous a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et excepté Isa alayhi salam. Le diable, lorsqu'il a voulu planter son doigt sur les deux flancs de Isa alayhi salam, il a en réalité planté son doigt sur l'obstacle. Et certains savants, parmi eux Al-Hafid ibn Hajar, Al-Asqalani, dans l'explication de ce hadith, qui est entre autres rapporté par Al-Bukhari, a dit qu'il a en réalité planté son doigt sur le placenta. Sur le placenta sur lequel était posé Isa alayhi salam une fois arrivé au monde. Ceci est un des mérites de Isa alayhi salam. Et parmi les miracles de Isa alayhi salam également, c'est qu'il a parlé en étant dans son berceau, en étant nourrisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'ont parlé dans leur berceau que trois, et parmi eux, Isa alayhi salam. Lorsque Maryam alayhi salam a mis au monde, toute seule, Isa alayhi salam, et il y a dans cela une preuve, qu'Allah azawajal a créé la femme de telle sorte qu'elle soit capable d'accoucher seule. Qu'elle soit capable d'accoucher seule. Lorsqu'elle a mis au monde Isa alayhi salam, comme le dit Allah Azza wa Jal, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Elle est partie alors vers son peuple en le prenant dans ses bras. Lorsqu'ils l'ont vu, c'est-à-dire son peuple, ils ont dit, ô Maryam, tu as apporté une chose monstrueuse. مَا كَانَ يَا مَرْيَمُ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. Ô Maryam, ton père n'était pas un mauvais homme et ta mère n'était pas une prostituée. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. Elle a alors fait signe vers lui. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Ils ont dit, comment pouvons-nous parler à celui qui est encore nourrisson dans son berceau? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. Et c'est là où Isa عليه السلام a parlé dans son berceau et a dit, إني عبد الله, je suis le serviteur d'Allah. Isa alayhi salam est donc le serviteur d'Allah, le prophète et envoyé d'Allah. Ce n'est pas le fils d'Allah, ce n'est pas Allah, ce n'est pas le troisième ou le deuxième de la Trinité, comme le disent les chrétiens. Ils ont dit une parole, takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا. Allah Azza wa Jalla a dit, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ. Les cieux se sont presque fendus, et la terre ouverte. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا. Il s'en est fallu peu que le ciel se fende, et que la terre s'ouvre, et que les montagnes soient réduites en poussière, lorsqu'ils ont un da'ou lirrahman walada, lorsqu'ils ont prétendu à Allah qu'il avait un enfant. Wa ma yanbaghi lirrahman yattakhidha walada. Et il n'appartient pas au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Et parmi les livres qui ont été écrits par les savants, l'un des meilleurs livres à ce sujet qui répond aux chrétiens est le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui l'a appelé
Et parmi les livres qui ont été écrits par les savants, l'un des meilleurs livres à ce sujet, qui répond aux chrétiens, est le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'il a appelé Al-Jawab al-Sahih, liman baddala din al-Masih. C'est l'un des meilleurs livres qui a été écrit en réponse au christianisme et aux chrétiens. La réponse véridique à ceux qui ont changé, modifié la religion du Messie. Le Messie qui est Issa, fils de Marie, Jésus, fils de Marie. Et à ma connaissance, ce livre n'est pas traduit en français. أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Donc la première chose qu'a dit Isa alayhi salam, je suis le serviteur d'Allah. Ce sont les premières paroles qui sont sorties de sa bouche alayhi salam. إني عبد الله أتاني الكتاب. Il m'a donné le livre qui est l'Évangile. أتاني الكتاب وجعلني نبيا. Il a fait de moi un prophète. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتِ Et il a fait de moi une personne bénie où que je sois. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا Et il m'a recommandé d'accomplir la prière et de m'acquitter de la zakat tant que je suis vivant. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي Et d'être bon envers ma mère. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا Et il n'a pas fait de moi un tyran et un désobéissant. Quelle est la description physique de Isa alayhi salam? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit de façon précise la description physique de Isa alayhi salam dans plusieurs hadiths et ceux que je vous cite sont tous authentiques. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي عيسى ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس متفق عليه وكذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل أدمي كأحسن ما يرى من أدمي الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit J'ai rencontré la nuit dans laquelle j'ai eu l'ascension. J'ai rencontré Isa عليه السلام. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Rab'ah C'est-à-dire que Isa alayhi salam n'était ni grand de taille, ni petit. Ahmar ka'annama kharaja min dimas. La couleur de sa peau, et cela va être cité dans l'autre hadith, était blanche avec une connotation rougeâtre. Comme s'il venait de sortir de Dimas. Et à Dimas, c'est l'endroit dans lequel on se lave. Autrement dit, la salle de bain. Comme s'il venait de sortir de son bain. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu Isa et Moussa et Ibrahim. Quant à Isa, il est de couleur rougeâtre. C'est-à-dire blanc, mais avec une connotation rougeâtre. Il a une longue et flottante chevelure et une large poitrine. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, hamukallah, il m'a été montré cette nuit, dans mon rêve, à proximité de la Kaaba, où je me suis vu
dans mon rêve à proximité de la Kaaba. Et c'est alors qu'un homme qui fait partie des plus beaux parmi les hommes, un homme blanc et ses cheveux tombaient sur ses épaules. Il avait les cheveux lisses et coiffés. De l'eau coulait de sa tête. Il posait ses deux mains sur deux hommes, sur les épaules de deux hommes, et il faisait le tawaf autour de la Kaaba. Et j'ai dit, qui est-ce? Ils m'ont dit, c'est le Messie, fils de Marie. C'est le Messie, fils de Marie. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de Isa en le qualifiant de Ja'ad. Et Al-Ja'ad, c'est le fait de ne pas avoir de cheveux. Comment rassembler ces deux hadiths? Le premier, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Isa alayhi salam avait une longue chevelure flottante, et dans l'autre hadith où il dit qu'il est ja'd, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cheveux. Les savants ont rassemblé ces hadiths en disant qu'il est imberbe au niveau de son corps, c'est-à-dire qu'il n'a pas de poils, il n'est pas poilu, son corps n'est pas poilu, mais est imberbe. Quant à sa chevelure, elle est grande et flottante et lisse, et ses cheveux tombent sur ses épaules. Quant à Moussa, le professeur Hassan nous dit que Moussa alayhi salam n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête, avait une couronne. Et quant à Ibrahim, lorsque les compagnons ou le professeur Hassan a dit, c'est moi qui, parmi les fils de Ibrahim, c'est-à-dire la descendance d'Ibrahim, qui lui ressemble le plus. Ainsi, celui qui ressemble le plus à Ibrahim alayhi salam, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Isa alayhi salam a eu, ou il lui a été révélé l'évangile. Quand l'évangile lui a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, les feuilles d'Ibrahim sont descendues la première nuit du Ramadan. Et la Torah a été révélée la sixième nuit du Ramadan. L'évangile, la treizième nuit du Ramadan. Al-Zabur, qui a été révélé à Daoud, la dix-huitième nuit du Ramadan. Et le Coran a été révélé la 24e nuit du Ramadan. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et Isa alayhi salam était méticuleux dans le fait de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. En hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi salam a dit: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأن عيسى بن مريم قال له إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم قال إنك إن سبقتني بهن خشيت أعذب أو يخسف بي. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal a ordonné à Yahya, le fils de Zakaria, alayhi salam, lui a ordonné quatre paroles, de les mettre en pratique et d'ordonner les fils d'Israël de les mettre en pratique. Yahya alayhi salam, qui est-il par rapport à Isa alayhi salam? Son cousin. Son cousin. Son cousin germain. C'est-à-dire
Yani Isa alayhi salam est le fils de la tante maternelle de Yahya. Et Yahya, qui était-il par rapport à Isa? Le fils de sa tante maternelle. Ainsi, c'était tous deux des cousins. C'était tous deux des cousins. Et Isa alayhi salam a dit à Yahya, car Isa alayhi salam prenait au sérieux, ce ne veut pas dire que Yahya alayhi salam ne prenait pas au sérieux, hacha wa kalla, ce sont tous des prophètes et envoyés d'Allah, mais Isa alayhi salam avait une attention particulière. Et il a dit à Yahya, Allah t'a ordonné 5 paroles de les mettre en pratique et d'ordonner les fils d'Israël de les mettre en pratique. Soit tu leur ordonnes de le faire ou soit je le ferai. Et Yahya alayhi salam a dit, si tu me précèdes dans cela, j'ai peur d'être châtié ou que je sois enseveli sous terre. Et là, akhir al-hadith, jusqu'à la fin du hadith, et cela prouve l'importance que donnait Isa alayhi salam à la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Isa alayhi salam immensifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith authentique rapporté par Muslim dans son sahih, que Isa alayhi salam a vu un homme voler. Et il lui a dit, as-tu volé? L'homme a répondu, non, je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité que lui, que je n'ai pas volé. Et Isa alayhi salam a dit, je crois en Allah et je considère que mes yeux ont menti. Et je considère que mes yeux ont menti. Pourquoi a-t-il dit cela? Car cet homme a juré par Allah qu'il n'avait pas volé. Et Isa alayhi salam immensifiait tellement Allah subhanahu wa ta'ala hein, que lorsqu'une personne jurait par son nom, eh bien, il revenait à ne pas croire à ses yeux, alors qu'il a vu réellement cet homme voler cette chose. Et Isa alayhi salam se trouve dans le second, dans le deuxième ciel, comme cela est rapporté dans le hadith de l'Isra wa al-Mi'raj. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au deuxième ciel, il y a vu Yahya et Zakariya qui lui ont dit « Bienvenue à toi, marhaban bika min akhin wa nabi. Bienvenue à toi, notre frère et prophète. » Et Isa alayhi salam n'est pas mort. Isa alayhi salam est vivant. Allah azza wa jal dit dans son humble livre « Wa ma qataluhu wa ma salabuhu » ولكن شبه لهم. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais ولكن شبه لهم. Mais ils ont tué une personne qui ressemblait à Isa alayhi salam. Et Allah azza wa jalla dit dans notre verset, بل رفعه الله إليه. Bien au contraire, Allah l'a élevé auprès de lui. Ainsi, la croyance du musulman et, comme le dit Allah Azza wa Jal de façon claire, que Isa alayhi salam n'est pas mort, ni il n'a été crucifié, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui, et que Isa alayhi salam descendra la fin du temps. Et que la descente de Isa alayhi salam fait partie des signes imminents de l'heure. Wa innahu la ilmu sa'ah, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu la'ilmu sa'ah, en parlant de Isa, que c'est un signe de la fin du monde. Et Isa alayhi salam se désavouera le jour du jugement de ceux qui n'auront pas cru en lui. Allah azza wa jalla dit dans sourate al-Ma'idah, dans les derniers versets de cette sourate, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. Parce qu'Allah azza wa jalla dit,
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ Ô Isa, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère comme des divinités en dehors d'Allah? قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Que tu sois purifié, gloire à toi. Je ne peux dire d'une chose qui n'est pas vérité. إن كنت قلته فقد علمته. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. إنك أنت علام الغيوب. Tu es celui qui connaît l'invisible. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. أن يعبدوا الله ربي وربكم. D'adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Et j'étais un témoin contre eux tant que j'étais parmi eux. فلما توفيتني. Et lorsque tu m'as appelé, كنت أنت الرقيب عليهم. C'est toi alors qui fus leur observateur attentif. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Et Isa عليه السلام a dit إن تغفر لهم فإنهم عبادك. Si tu leur pardonnes, si tu leur pardonnes, فإنهم عبادك, ce sont tes serviteurs. إن تغفر لهم فإن تعذبهم فإنهم عبادك. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le Tout-Puissant et le Très-Sage. Les savants ont dit dans ce verset qu'Allah, qui c'est Isa alayhi salam, a conditionné, a dit si tu leur pardonnes, c'est toi alors le Tout-Puissant et le Très-Sage. Est-ce que cela veut dire qu'Allah Azza wa Jalla pardonnera aux chrétiens qui ont dit que Isa alayhi salam est le fils d'Allah et qui ont pris Isa alayhi salam comme une divinité en dehors d'Allah? Non. Pour cela, les savants ont dit, pour cela qu'Allah Azza wa Jal n'a pas terminé ce verset par Innaka antal ghafurur rahim. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es le Tout-Puissant et le Très-Sage. Il n'a pas dit tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux, comme cela est présent dans de nombreux versets du Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle du repentir, parle du pardon, les versets se terminent par At-Tawwab al-Rahim, Al-Ghafur al-Rahim, etc., etc. Mais ici, Allah Azza wa Jal a terminé ce verset par Al-Aziz al-Hakim, le Tout-Puissant et le Très-Sage. Isa alayhi salam sera celui qui tuera le faux messie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La taqumu as-sa'a hatta tamla'u al-ardu dhulman wa 'udwana thumma yakhruju rajulun min ahli bayti fayamla'uha qistan wa 'adla kama muli'at dhulman wa 'udwana. Le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit: L'heure n'arrivera pas tant que la terre ne sera pas pleine d'injustice et d'offense, puis que sortira un homme parmi les gens de ma famille qui remplira, c'est-à-dire la terre, de justice et d'ordre, comme elle a été remplie d'injustice et de désordre. Et qui est cet homme parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Mahdi, qui s'appellera Muhammad, et son père s'appellera comme le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Il s'appellera Muhammad ibn Abdullah. Il fera partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la tribu de Quraysh. Et il sera le compagnon de Isa alayhi salam. L'antéchrist sait que Isa alayhi salam va descendre. Et la preuve est le hadith de Tamim ibn. Et parmi
livres qui ont été écrits par les savants. L'un des meilleurs livres à ce sujet, qui répond aux chrétiens, est le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'il a appelé Al-Jawab al-Sahih, liman baddala din al-Masih. C'est l'un des meilleurs livres qui a été écrit en réponse au christianisme et aux chrétiens. La réponse véridique à ceux qui ont changé, modifié la religion du Messie. Le Messie qui est Issa, fils de Marie, Jésus, fils de Marie. Et à ma connaissance, ce livre n'est pas traduit en français. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Donc, la première chose qu'a dit Isa alayhi salam, je suis le serviteur d'Allah. Ce sont les premières paroles qui sont sorties de sa bouche alayhi salam. Inni abdullah atani al-kitab. Il m'a donné le livre qui est l'évangile. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Il a fait de moi un prophète. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Et il a fait de moi une personne bénie où que je sois. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. Et il m'a recommandé d'accomplir la prière et de m'acquitter de la zakat tant que je suis vivant. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. Et d'être bon envers ma mère. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا. Et il n'a pas fait de moi un tyran et un désobéissant. Quelle est la description physique de Isa alayhi salam? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit de façon précise la description physique de Isa alayhi salam dans plusieurs hadiths, et ceux que je vous cite sont tous authentiques. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي عيسى ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس متفق عليه وكذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل أدمي كأحسن ما يرى من أدمي الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: j'ai rencontré la nuit dans laquelle j'ai eu l'ascension. J'ai rencontré Isa عليه السلام. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: رَبْعَه. C'est-à-dire que Isa alayhi salam n'était ni grand de taille, ni petit. Ahmar ka'annama kharaja min dimas. La couleur de sa peau, et cela va être cité dans l'autre hadith, était blanche avec une connotation rougeâtre. Comme s'il venait de sortir de Dimas. Et à Dimas, c'est l'endroit dans lequel on se lave. Autrement dit, la salle de bain. Comme s'il venait de sortir de son bain. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Isa et Moussa et Ibrahim. Quant à Isa, il est de couleur rougeâtre. C'est-à-dire blanc, mais avec une connotation rougeâtre. Il a une longue et flottante chevelure et une large poitrine. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, hamukallah, il m'a été montré cette nuit, dans mon rêve, à proximité de la Kaaba, où je me suis vu dans mon rêve à proximité de la Kaaba.
Et c'est alors qu'un homme qui fait partie des plus beaux parmi les hommes, un homme blanc, et ses cheveux tombaient sur ses épaules. Il avait les cheveux lisses et coiffés. De l'eau coulait de sa tête. Il posait ses deux mains sur deux hommes, sur les épaules de deux hommes, et il faisait le tawaf autour de la Kaaba. Et j'ai dit, qui est-ce? Ils m'ont dit, c'est le Messie, fils de Marie. C'est le Messie, fils de Marie. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de Isa en le qualifiant de Ja'ad. Et Al-Ja'ad, c'est le fait de ne pas avoir de cheveux. Comment rassembler ces deux hadiths? Le premier, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Isa alayhi salam avait une longue chevelure flottante, et dans l'autre hadith où il dit qu'il est ja'd, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cheveux. Les savants ont rassemblé ces hadiths en disant qu'il est imberbe au niveau de son corps, c'est-à-dire qu'il n'a pas de poils, il n'est pas poilu, son corps n'est pas poilu, mais est imberbe. Quant à sa chevelure, elle est grande et flottante et lisse, et ses cheveux tombent sur ses épaules. Quant à Moussa, le professeur Hassan nous dit que Moussa alayhi salam n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête, avait une couronne. Et quant à Ibrahim, lorsque les compagnons ou le professeur Hassan a dit, c'est moi qui, parmi les fils de Ibrahim, c'est-à-dire la descendance d'Ibrahim, qui lui ressemble le plus. Ainsi, celui qui ressemble le plus à Ibrahim alayhi salam, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Isa alayhi salam a eu, ou il lui a été révélé l'évangile. Quand l'évangile lui a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, les feuilles d'Ibrahim sont descendues la première nuit du Ramadan. Et la Torah a été révélée la sixième nuit du Ramadan. L'évangile, la treizième nuit du Ramadan. Al-Zabur, qui a été révélé à Daoud, la dix-huitième nuit du Ramadan. Et le Coran a été révélé la 24e nuit du Ramadan. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah. Et Isa alayhi salam était méticuleux dans le fait de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. En hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi salam a dit إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأن عيسى بن مريم قال له إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم قال إنك إن سبقتني بهن خشيت أعذب أو يخسف بي. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal a ordonné à Yahya, le fils de Zakaria, alayhi salam, lui a ordonné quatre paroles, de les mettre en pratique et d'ordonner les fils d'Israël de les mettre en pratique. Yahya alayhi salam, qui est-il par rapport à Isa alayhi salam? Son cousin. Son cousin. Son cousin. Non? Son cousin germain. C'est-à-dire?
Yani Isa alayhi salam est le fils de la tante maternelle de Yahya. Et Yahya, qui était-il par rapport à Isa? Le fils de sa tante maternelle. Ainsi, c'était tous deux des cousins. C'était tous deux des cousins. Et Isa alayhi salam a dit à Yahya, car Isa alayhi salam prenait au sérieux, ce ne veut pas dire que Yahya alayhi salam ne prenait pas au sérieux, hasha wa kalla, que sont tous des prophètes et envoyés d'Allah, mais Isa alayhi salam avait une attention particulière. Et il a dit à Yahya, Allah t'a ordonné 5 paroles de les mettre en pratique et d'ordonner les fils d'Israël de les mettre en pratique. Soit tu leur ordonnes de le faire, ou soit je le ferai. Et Yahya, alayhi salam, a dit, si tu me précèdes dans cela, j'ai peur d'être châtié ou que je sois enseveli sous terre. Et là, akhir al-hadith, jusqu'à la fin du hadith, et cela prouve l'importance que donnait Isa alayhi salam à la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Isa alayhi salam immensifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith authentique rapporté par Moussa dans son sahih, que Isa alayhi salam a vu un homme voler. Et il lui a dit, as-tu volé? L'homme a répondu, non, je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité que lui, que je n'ai pas volé. Et Isa alayhi salam a dit, je crois en Allah et je considère que mes yeux ont menti. Et je considère que mes yeux ont menti. Pourquoi a-t-il dit cela? Car cet homme a juré par Allah qu'il n'avait pas volé. Et Isa alayhi salam immensifiait tellement Allah subhanahu wa ta'ala hein, que lorsqu'une personne jurait par son nom, eh bien, il revenait à ne pas croire à ses yeux, alors qu'il a vu réellement cet homme voler cette chose. Et Isa alayhi salam se trouve dans le second, dans le deuxième ciel, comme cela est rapporté dans le hadith de l'Isra wa al-Mi'raj. Lorsque le prophète Hassan est arrivé au deuxième ciel, il y a vu Yahya et Zakariya qui lui ont dit « Bienvenue à toi, marhaban bika min akhin wa nabi. Bienvenue à toi, notre frère et prophète. » Et Isa alayhi salam n'est pas mort. Isa alayhi salam est vivant. Allah Azza wa Jal dit dans son humble livre « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ » وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mais ils ont tué une personne qui ressemblait à Isa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla dit dans notre verset بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Bien au contraire, Allah l'a élevé auprès de lui. Ainsi, la croyance du musulman est, comme le dit Allah Azza wa Jal de façon claire, que Isa alayhi salam n'est pas mort, ni il n'a été crucifié, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui, et que Isa alayhi salam descendra la fin du temps. Et que la descente de Isa alayhi salam fait partie des signes imminents de l'heure. Wa innahu la'ilmu sa'ah, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la'ilmu sa'ah. En parlant de Isa, que c'est un signe de la fin du monde. Et Isa alayhi salam se désavouera le jour du jugement de ceux qui n'auront pas cru en lui. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Ma'idah, dans les derniers versets de cette sourate, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit,
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ Ô Isa, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère comme des divinités en dehors d'Allah? قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Que tu sois purifié, gloire à toi. Je ne peux dire d'une chose qui n'est pas vérité. إن كنت قلته فقد علمته. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. إنك أنت علام الغيوب. Tu es celui qui connaît l'invisible. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. أن يعبدوا الله ربي وربكم. D'adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Et j'étais un témoin contre eux tant que j'étais parmi eux. فلما توفيتني. Et lorsque tu m'as appelé, kunta anta ar-raqib alayhim. C'est toi alors qui fus leur observateur attentif. In tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'aziz al-hakim. Et Isa alayhi salam a dit in taghfir lahum fa innahum 'ibaduk. Si tu leur pardonnes, si tu leur pardonnes, fa innahum 'ibaduk, ce sont tes serviteurs. إن تغفر لهم فإن تعذبهم فإنهم عبادك. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le tout-puissant et le très sage. Les savants ont dit dans ce verset qu'Allah, qui c'est Isa alayhi salam, a conditionné, a dit si tu leur pardonnes, c'est toi alors le tout-puissant et le très sage. Est-ce que cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal pardonnera aux chrétiens qui ont dit que Isa alayhi salam est le fils d'Allah et qui ont pris Isa alayhi salam comme une divinité en dehors d'Allah? Non. Pour cela, les savants ont dit, pour cela qu'Allah Azza wa Jal n'a pas terminé ce verset par innaka antal ghafurur rahim. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le tout-puissant et le très sage. Il n'a pas dit tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux, comme cela est présent dans de nombreux versets du Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle du repentir, parle du pardon, les versets se terminent par At-Tawwab ar-Rahim, Al-Ghafur ar-Rahim, etc., etc. Mais ici, Allah Azza wa Jal a terminé ce verset par Al-Aziz ul-Hakim, le tout-puissant et le très sage. Isa alayhi salam sera celui qui tuera le faux messie. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: la taqumu as-sa'a hatta tamla'u al-ardu dhulman wa 'udwana ثم يخرج رجل من اهل بيتي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'heure n'arrivera pas tant que la terre ne sera pas pleine d'injustice et d'offense, puis que sortira un homme parmi les gens de ma famille qui remplira, c'est-à-dire la terre, de justice et d'ordre, comme elle a été remplie d'injustice et de désordre. Et qui est cet homme parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Mahdi, qui s'appellera Muhammad, et son père s'appellera comme le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Il s'appellera Muhammad ibn Abdullah. Il fera partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la tribu de Quraysh. Et il sera le compagnon de Isa alayhi salam. L'antéchrist sait que Isa alayhi salam va descendre. Et la preuve est le hadith de Tamim ibn